La rencontre avec le rock à présent, et c'est avec Paul Personne. L'artiste, à la fois chanteur et guitariste, était samedi soir au Zénith de Lille. Le rocker sort un double CD-DVD live avec les titres de son dernier album électrique Rendez-vous, 10 ans après Il était une fois la route. Un album enregistré à l'occasion de la tournée Puzzle 14 Tours, réalisée en 2014 et 2015. Paul Personne n'en oublie pas les titres qui ont fait son succès. Sur scène, il est accompagné du groupe À l'Ouest. Et à 65 ans, Paul Personne n'en a pas perdu sa fougue des premières heures. Lui qui a connu les belles années, les plus belles années du rock et du blues. Aujourd'hui, son style reste fidèle à lui-même, mais les textes s'inspirent du moment. Alison Pelletier l'a rencontré dans sa loge au Zénith de Lille. L'arrivée de toute la vague anglo-saxonne avec les Beatles, les Stones, enfin tous les groupes anglais, et puis après... Bob Dylan, Jimi Hendrix, enfin, je veux dire, il y avait tellement de gens qui, chaque semaine, on découvrait quelqu'un de nouveau et d'influent, quoi. Et donc, tout ça m'a marqué. Et ouais, ça a été des sortes de guides spirituels, un peu des maîtres, des profs. Mes profs étaient dans ma discothèque. J'avais juste à sortir un disque, puis à écouter. Et puis le prof, il était à la maison, quoi. Donc, c'était... Puis il y a des rencontres dans la vie. Il y a des moments où on rencontre des gens. Il y a ces croisées de chemin, comme ça.